mi-temps était équilibré. Les deux équipes ont eu de grosses occasions, je le répète. Par contre, la deuxième mi-temps, on a eu beaucoup moins de difficultés parce qu'on a fait reculer cette équipe. Elle a fini avec des... Il y a deux joueurs qui ont fini avec des crampes, ce qui veut dire qu'on a su imprimer notre rythme et on a bien contrôlé le match. Je vous dis, pour moi, la seule occasion, c'est sur la barre. Et c'est sûr que là, on peut perdre le match, mais on a deux, trois situations devant le but où on doit, je pense qu'on doit, sur la deuxième mi-temps, on doit gagner le match. Maintenant, la fatigue, c'est sûr qu'il y a eu un peu de fatigue. On a eu un peu, en fin de match, du déchet technique. Mais l'état du terrain ne nous a pas aidé non plus, parce que c'est pas un terrain pour nous, une herbe haute. Nous, on aime les terrains mouillés et l'herbe courte qui facilite et qui avantage notre jeu. Voilà. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, on est passé beaucoup de temps, surtout en deuxième mi-temps, dans notre camp. Mais on a passé beaucoup de temps dans le camp adverse. C'est difficile, hein. Mais ce qui est difficile, c'est de dire aux joueurs, ben on va jouer ça et on ne va pas jouer notre compétition. Je ne peux pas aujourd'hui dire à mes joueurs, on va faire un match pour s'amuser. Tant qu'on est dans les quatre, on est dans les quatre. Aujourd'hui, par rapport à l'équipe qui a joué à Futur mercredi dernier, donc il y a 4 jours, il y a eu un gros changement dans l'effectif. Les joueurs qui ont joué aujourd'hui, qui n'ont pas été titulaires mercredi, ils ont répondu présent dans l'état d'esprit, dans l'organisation. Donc moi je pense que tant qu'on aura nos 20 joueurs avec cet état d'esprit, on pourra donner du temps de jeu à tout le monde et être compétitif. Mercredi, il y aura encore une autre équipe sur le terrain. Et dimanche prochain contre Pyramides, un match important, il y aura encore une autre équipe. Donc tant qu'on n'a pas trop de blessés et de suspendus, on pourra mettre en place un turnover, et surtout tant que les joueurs auront l'état d'esprit qu'ils ont actuellement.